On en vient à un vœu qui concerne les usagers des piscines municipales. Et la parole est à Christian Noré. Oui, pardonnez-moi, je reviens sur... Donc, il y a eu une incompréhension de ma part. Je suis très satisfait, donc, et j'ai mal compris la réponse de Mme Benacli. Non, vous aviez très bien compris, elle a proposé que vous retiriez le vœu puisqu'il était, de notre point de vue, satisfait. Et puis, comme vous ne l'avez pas retiré, on n'allait pas voter contre un truc qu'on fait déjà, donc on a voté pour. D'accord. Parfait. Très bien, très bien. L'essentiel, c'est que les personnes soient satisfaites. Après, le reste, on s'en moque un peu. Bien. Oui, alors là, c'est le vœu que aurait dû présenter Pierre Bournazel. Il est relatif à la qualité de l'air et de la sécurité des personnes et des usagers des piscines municipales. Je vais citer quelques textes. L'article R4222, alinéa 1 du Code du travail, dispose que tous les locaux de travail fermés où séjourne du personnel, l'air doit être renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ainsi qu'à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. L'article R4224-17 du Code du travail dispose que les opérations d'entretien et les opérations de contrôle technique obligatoires doivent être menées suivant une périodicité appropriée et qu'un dossier de maintenance des lieux de travail doit être tenu régulièrement à jour. L'arrêté du 8 octobre 1987 dispose qu'il est obligatoire d'assurer régulièrement le contrôle des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail. La délibération adoptée par le Conseil de Paris de novembre 2022 relative à l'exemplarité de la ville de Paris sur la sécurité au travail vise notamment à ce que la ville veille au respect du droit du travail sur son territoire et à assurer la sécurité des travailleuses et des travailleurs parisiens. L'article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les piscines municipales sont des établissements recevant du public. L'article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que l'exploitant des établissements recevant du public doit prendre les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes et qu'il doit procéder à l'entretien régulier et à la vérification des installations. La qualité de l'air est étroitement liée au système de chauffage, ventilation et climatisation, et que l'entretien périodique de ces systèmes répond à des obligations légales. Selon de nombreuses études scientifiques, une mauvaise qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment peut être à l'origine de maladies et de graves nuisances pour la santé humaine telles que des maux de tête, de la fatigue, une irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau, des vertiges, des allergies, de l'asthme, et d'autres problèmes respiratoires, ainsi que des cancers. Les derniers résultats de contrôle effectués sur les installations d'aération des piscines municipales parisiennes de 2021 ont été jugés inquiétants par les représentants du personnel et sur les 1764 points de contrôle réalisés, 954 présenteraient une anomalie. De nombreuses plaintes ont été formulées par des agents de la ville à l'encontre de l'entretien des installations d'aération des piscines municipales parisiennes. De graves accusations ont été formulées à l'encontre de l'entretien des installations d'aération des piscines municipales parisiennes, entre guillemets, système de filtration de l'eau obsolète, système de ventilation en dehors de tout contrôle et dans un état de délabrement avancé. Un mauvais entretien des installations d'aération des piscines municipales parisiennes a des conséquences néfastes sur la santé des usagers et sur celle des personnels qui y travaillent. C'est la raison pour laquelle, avec Pierre Bournazel, nous demandons à la maire de Paris de rendre publics les rapports de contrôle des installations d'aération et d'assainissement des piscines municipales effectuées entre l'année 1987 et l'année 2022, ainsi que les dossiers de maintenance, dates et résultats des contrôles périodiques, de communiquer l'état d'avancement du plan de mise en conformité intégrale des 30 piscines de la ville de Paris au regard de la réglementation existante votée en 2021 par le Conseil de Paris. Je vous remercie.
Et bientôt 31 grâce à la nouvelle piscine Béliard. La parole est à Mamsia. Ah mince, pardon, excusez-moi. Mamsia. Merci, monsieur le maire. Monsieur Honoré, pour répondre à vos différentes questions, il s'agit déjà depuis 1987, les rapports annuels d'exploitation par équipement fournis par la STEG et la DCPA. Ce sont des documents qui sont présents dans les équipements, dans le registre de suivi des installations techniques liées à la gestion des bâtiments. Et ils ont été communiqués dans le cadre des instances, notamment le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, ainsi qu'aux membres des différents CHT. Ce sont des documents qui permettent un suivi et une maintenance des installations techniques qui relèvent de l'exploitation des bâtiments. Ils sont donc également à disposition des publics. En ce qui concerne la reconnaissance en maladie professionnelle, également relève du régime général de sécurité sociale pour les questions d'indemnisation et non de la ville de Paris. Cette reconnaissance en maladie professionnelle doit être transmise par l'agent concerné auprès de son administration, s'il le souhaite. La ville a également mandaté des bureaux de contrôle technique agréés pour assurer la vérification et la conformité de ces installations de ventilation pour l'ensemble des directions afin de répondre pleinement aux prescriptions de cet arrêté. Les établissements balnéaires ont été prioritairement contrôlés et font l'objet, lorsque c'est nécessaire, d'un plan d'action permettant de remédier aux non-conformités. Pour autant, même si les installations ne faisaient pas l'objet de contrôle par des bureaux agréés, la maintenance était assurée en régie ou via des marchés. La DGS est informée du dépôt des dossiers de reconnaissance de maladies professionnelles en ce qui concerne 8 agents, mais n'a pas forcément de retour sur la reconnaissance effective. Seul un EAPS est officiellement placé en arrêt maladie pour cause de maladie professionnelle. Pour les autres, les services n'ont pas de retour quant à la reconnaissance en maladie professionnelle, la situation actuelle des 7 autres. 4 ont effectué une reconversion professionnelle, 2 sont toujours en activité autour du bassin et un agent est affecté en dehors d'une piscine. En ce qui concerne l'état des différentes piscines que vous avez évoquées, à l'heure actuelle où on parle, beaucoup de travaux ont été effectués. Certaines piscines ont des travaux en cours, j'en veux pour preuve les piscines qui concernent notamment notre arrondissement, celles qui concernent Bertrand, Dauvin et Hébert. À l'heure actuelle, donc 70% des piscines sont traitées. Il ne reste plus que 30% de travaux à programmer, ce qui veut dire que la ville a pris en compte tous ces aspects et fait énormément d'efforts en ce qui concerne la qualité de l'air et de l'eau pour mieux accueillir les concitoyens et pour permettre aux agents de la ville de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Et je peux vous remettre effectivement ces rapports à disposition afin que vous puissiez les communiquer. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des explications de vote sur ce vœu ? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je vous en remercie.